Et le regagnant du concours ce mois-ci est Elisma Marie-Rosie Edlani. Félicitations à toi. Eh, juste avant de commencer la vidéo, abonne-toi et lâche un commentaire. En 10 ans, je me suis abonné et tente de gagner une publicité gratuite sur ma chaîne chaque mois. 15 choses que vous ne saviez pas sur Warren Buffett. Bonjour à tous et bienvenue sur Belux. Comme vous le savez, notre objectif est de vous aider à améliorer votre train de vie à travers nos vidéos. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les 15 choses que vous ne saviez pas sur Warren Buffett. Nous parlons souvent de grands entrepreneurs et de personnes qui ont changé le monde. Et aujourd'hui, nous allons parler du fameux et légendaire Warren Buffett. Buffett est devenu connu en accumulant une immense fortune, en devenant un investisseur hors norme. Il a été l'homme le plus riche du monde en 2008. Il est maintenant classé 4e de ce classement des personnes les plus riches du monde. Derrière notamment Bill Gates, sur lequel nous avons déjà fait une vidéo que je vous invite à regarder. Quand ça parle d'investissement, il n'y a pas meilleure référence que Warren Buffett. Alors c'est logique de faire cette vidéo sur Warren Buffett. Voici les 15 choses que vous ne saviez pas sur lui. Numéro 1. Buffett a acheté ses premières actions à l'âge de 10 ans. Warren avait commencé à investir dès son plus jeune âge, il a acheté des actions d'une entreprise pour 38$ et il a déposé ses premières déclarations de revenus au début de son adolescence. Quand ses camarades de classe rêvaient toujours d'être une star de cinéma, Buffett avait des dîners avec les investisseurs de New York. Lorsqu'il a eu 16 ans, il avait accumulé la petite somme qui équivaut aujourd'hui à 50 000 €. Quand il était toujours adolescent, il gagnait environ 175 € par mois et à cette époque, il gagnait plus que ses professeurs et plus que certains employés. Numéro 2. Il a utilisé le même bureau pendant 50 ans. Buffett a 89 ans, alors il opte pour la méthode old school. Au lieu d'utiliser du matériel informatique moderne, il utilise toujours des feuilles et stylos. Il a aussi une place où il y a des photos souvenirs de football. Il a travaillé dans le même bureau pendant 50 ans et n'a pas l'intention de le changer. Avant de décider de travailler dans ce bureau, il voulait travailler chez Benjamin Graham, le célèbre auteur de l'investisseur intelligent. Mais ce dernier n'a pas voulu l'embaucher car il était juif. Numéro 3. Il est très économe malgré sa fortune et c'est un technophobe. Durant une interview, Buffett avait déclaré qu'il possède un ancien modèle de Nokia comme téléphone et qu'il ne veut pas en changer. Il dit qu'il change d'objet qu'une fois que ce dernier est servi pendant une vingtaine d'années environ. Et il n'a envoyé qu'un seul email durant sa vie. C'était à Jeff Ricks de Microsoft. Numéro 4. Il passe la plupart de son temps à lire. Il a dit qu'une fois qu'il s'asseyait dans son bureau, il passait toute la journée à lire. Pour lui, pour bien faire son métier, il faut lire le plus de livres possible pour apprendre au maximum. Il lit entre 600 et 1000 pages par jour. Numéro 5. Buffett pense que l'or n'est pas un bon investissement. En 98, Buffett avait déclaré que l'or n'avait pas une grande utilité ou but, donc l'investissement serait inutile. Il a dit une fois que si les aliens voyaient les efforts de l'être humain pour retirer de l'or, ils se moqueraient de nous. Numéro 6. Il aime manger dans des fast-foods et il consomme environ 2500 calories par jour. Le repas préféré de Warren est un bon burger et un gobelet de coca. Il mange tout ce qu'il veut. Il a dit qu'il ne mangerait pas de légumes juste parce que c'est bon pour la santé, même si cela prolongerait sa vie. Numéro 7. Buffett contemple ses investissements tout en étant dans son bain. Avant son investissement dans la Banque d'Amérique, il passa un long moment à analyser les chiffres et les données dans son bain. Les bulles ont dû lui faire du bien, car il a après ça acheté 5 milliards d'actions de la banque. Numéro 8. Il a fait en tout 25 milliards de dons aux œuvres de charité à travers le monde. Les enfants de Warren ont leur propre fondation de charité à laquelle il y contribue souvent. Il a fait beaucoup de dons aussi à la fondation Bill et Melinda Gates. Numéro 9. Warren Buffett et Bill Gates sont de très bons amis. Et ce depuis 25 ans. Ils adorent jouer aux cartes ensemble. Ils s'échangent des livres à lire et passent même des soirées ensemble entre amis. Numéro 10. Warren Buffett vit toujours dans la maison de 30 000 € qu'il a achetée en 1958. Malgré son succès et sa fortune, il n'a pas déménagé et vit toujours dans la même maison. Et même pour les autres signes de richesse, Warren ne fait pas attention à eux aussi. Numéro 11. La fortune de Warren Buffett est plus que le PIB du Ghana et du Cambodge réunis. En 2020, la fortune de Buffett était de 74,7 milliards d'euros, ce qui est plus élevé que le PIB de certains pays. Même si son salaire dans son entreprise d'investissement Berkshire Hathaway est un salaire modeste de 100 000 € par an. Numéro 12, il est investisseur passionné et il encourage les énergies renouvelables. Il a investi en tout 15 milliards dans l'industrie des énergies renouvelables, notamment les énergies solaires et éoliennes. Il a déclaré aussi qu'il était prêt à réinvestir 15 autres milliards dans ce domaine. Numéro 13, il a gagné 95% de sa fortune après son 50e anniversaire. Même avec tout le succès qu'il a rencontré, Warren a gagné la majeure partie de sa fortune après ses 50 ans.
Il a gagné 70 milliards de ses 75 après 50 ans. Car ses stratégies d'investissement sont des stratégies long terme. Numéro 14, il a le meilleur palmarès en investissement dans l'indice boursier S&P 500. Warren a battu tous les records d'investissement sur cet indice boursier américain. Selon les analyses, il a été un meilleur investisseur que Warren Schloss, Peter Lynch, Joel Greenblatt et David Einhorn. Numéro 15, en 2013, il gagnait environ 35 millions chaque jour. Selon Forbes, Warren gagnait des sommes astronomiques, plus que son ami Bill Gates. Pour comparer, Jennifer Lawrence avait gagné 34 millions d'euros cette année-là, et elle était la deuxième actrice la mieux payée. Comme tous les entrepreneurs, il y a beaucoup d'autres anecdotes sur Warren Buffett et ses secrets d'investissement. Quel est le secret de son succès? Comment a-t-il pu avoir de tels résultats? Nous ne le saurons probablement jamais. Mais nous admirons et continuons de le faire, le travail de ce grand monsieur. Si on vous accordait 10 minutes avec Warren Buffett, quelles questions vous lui poseriez? Comment découvririez-vous ses secrets? Ah, vous êtes toujours là. Voici un autre bonus pour vous. Quand il a acheté Berkshire Hathaway en 1964, il l'a fait car il était en froid avec le CEO et voulait le relever de ses fonctions. Avec du recul, il a dit que c'était l'achat le plus stupide qu'il ait fait. Merci d'avoir passé du temps avec nous, Belluxeur. Likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos. Si vous en voulez plus, nous avons sélectionné ces vidéos pour vous. Merci encore à vous, nous nous reverrons bientôt.